Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur truc. Allez, c'est parti, on s'en filme sur du truc. Ça doit faire mal à la tête. Quoi, j'ai même pas pris et sur ma tête et dans ma tablette elle a pris. GG ma tablette. Je l'ai dit juste GG, c'est tout. C'est le GG le jeu ou GG ma tablette. Attends. Mes chaussettes sont mouillées. Oh, elles sont pas mouillées. Mais... Ah si, elles sont mouillées. Elles sont mouillées. Voilà, ça rentre mes chaussettes. Pour s'appuyer en toute sécurité un arbre aussi grand sans endommager les structures attenantes, il faut fixer une corde pour vider la chute. On va essayer d'attacher la corde aussi haut que possible. Personne ne va tirer dessus. Nous, on va contrôler la chute. Il faut grimper à 8 mètres de hauteur. On va construire une échelle de fesses, couper quelques opinions. Fabriquer des échelons. Ensemble pour s'appuyer contre l'arbre. Ça ressemble à une échelle. Ça, c'est du bricolage. Vous accrochez cette corde aussi haut que possible. Ouais. Dès qu'elle est à peine de ce côté, ça devrait aller. Je vais essayer de la fixer au plus haut. Plus on la met haut, plus on aura de force pour tirer. C'est pas moi. Si c'est toi. Qui se fait dénoncer hein. Moi j'ai pas pété déjà. Non c'est toi Wesley. C'est compliqué. Je veux aussi tirer trop fort. Faire tomber l'arbre sur moi. Il faut donc que j'intervienne au bon moment. Non. Les équipes faites dans l'arbre permettent d'orienter la chute. Les coins l'amènent au point de bascule. Très bien. Ça vient. Je ne baisse jamais la garde quand je coupe un arbre pourri. Du fait qu'il soit rongé jusqu'au pied, on ne peut pas contrôler le mouvement de l'arbre. On va tout faire pour retourner la naissance de cet abri. C'est l'objectif. Non. Réussissent à coucher sans encombre un arbre malade. On a réussi, ouais! Encore, on peut dire que tout s'est bien passé. Preston a fait du bon boulot. Ça a marché. Merci d'avoir abattu cet arbre pour moi. Pas de quoi? Vous avez sauvé cet abri. Ouais. On a ouvert cet arbre en deux. Il est vraiment joli. On dirait que l'arbre est resté vivant seulement en surface. L'intérieur est complètement rangé. Il va avoir de quoi se chauffer. C'est ça la vie dans les montagnes. On aide ses voisins, ils nous aident. C'est sympa d'avoir fini un coup de main à vivre. Mais la liste des soins de la tête, c'est moi, c'est bon. J'aurais mieux dû tourner. L'hiver au printemps apporte son lot de nouveaux problèmes. Il n'a pas plu depuis 2 mois. Toute la région souffre de sécheresse. Pour Jason, cela ne pourrait pas être mal tombé. Papa ? On a entendu Jason. Il est passé à la télé. Non, en fait c'est juste ton prénom, il est passé à la télé. À la télé. Okay.
dollars économisés servira à acheter un terrain. Je n'ai pas envie de me faire doubler quand quelque chose se présentera. On a l'interdiction de faire du feu. Il va falloir que je trouve une solution pour avancer. On va faire un glitch. Si tu te lèves, t'avais dit je te fais ma revanche. Si tu te lèves, je fais ma revanche. Pour l'instant, j'ai réussi à rassembler un déverbeur, des conserves et un fût de bière. Pourquoi la nuit est allumée dans la salle de bain? Ah oui, mais j'avais bien éteint. Non, t'as pas été la lumière, c'est pas bête. Si, j'ai fait ça, après j'ai fait. Bon, maintenant j'ai. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. C'était Vincent 971 avec mon frère 971, avec Wesley 971. Ciao! Il a participé.